bonjour. Salut Lucky. Salut Fabrice, bienvenue à La Rochelle. Uncharted 4, ce n'est pas qu'un jeu, c'est un film interactif qui met tout le monde d'accord. Parce que dedans, il y a plein de choses. Une histoire très passionnante, le gameplay et le scénario qui n'est pas linéaire. Donc on s'ennuie pas du tout dans ce jeu. Parce que c'est un jeu qui nous fait voyager, c'est un voyage en soi. Et on s'attache très vite au personnage principal, Nathan. Et d'ailleurs à tous les personnages, hein, à son frère Sam, il y a Sully qui fait office de père plus ou moins qui n'ont pas eu les deux frères. Et pas de spoil, mais voilà, c'est un jeu que, disons, pour moi c'est une des meilleures productions de la décennie qui vient de s'écouler en fait. Uncharted 4. Donc c'est un jeu que je recommande. Parce que dedans, vous avez plein d'activités, en plus du jeu, vous avez des énigmes, une histoire quoi, passionnante. Vous changez constamment de pays, de continent dans le jeu, vous voyagez. Action, aventure, à la troisième personne. C'est le top. Mais il y a aussi Shadow of the Colossus, un des jeux que je préfère. Encore plus depuis qu'ils l'ont remasterisé sur la PS4. Voilà, un très bon jeu du studio Quantic Dreams. Bien avant, ils ont pondu Beyond Two Souls et puis Heavy Rain. Et bien avant leur premier jeu, si je ne me trompe pas, c'est Fahrenheit. Personnellement, j'y ai joué sur la Xbox première génération. C'est un studio qui produit de très bons jeux. Et l'aboutissement de tout ça, c'est Détroit. Wow!